Alors, Gwenaëlle Blanche, il court depuis une dizaine d'années. Oui. En deux livres. Oui. Il est présent aujourd'hui au premier jour des courses à Moran. C'est le départ de autocross du championnat de France. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? On vous a pas vu, vous étiez à Moran? Non, j'étais pas prêt, donc ta voiture était pas prête, donc c'est pour ça. Aujourd'hui, comment ça s'est passé ce matin? Ben, ce matin, on a fait le 11e temps, mais on avait des difficultés avec la voiture, donc des mauvais réglages. Aujourd'hui, là, à cette heure-ci, on est vers midi, il pleut, torrent, mais vous êtes prêt, la voiture est prête? Oui, on a refait des nouveaux réglages, on va voir cet après-midi. Alors, je vois que tous vos mécanos sont là. Oui. On va essayer de présenter tout le monde. Alors, à vous l'honneur. Ouais. Donc là, il y a Gérard. Gérard. Alors, Gérard... Beau papa. Voilà. Vous suivez Gwenaëlle depuis combien de temps? Depuis le début. Ça fait 10 ans. Et puis, il y a... Anthony. Un deuxième mécano. Oui. Voilà. Alors, qu'avez-vous réparé ce matin ou cet après-midi à midi? Bah, rien. Il n'est pas cassé. Il n'y avait rien de cassé. Il fallait juste serrer. Oui. Faire le plein, préparer tout. Ça y est, la voiture est prête. Voilà. Il va reprendre le volant vers 13h pour la deuxième partie des essais, c'est ça? Alors, morale, ça va? Oui. Voilà. Toujours bon. Vous vous êtes bien préparé. Vous avez terminé la saison dernière comment? Pas terrible. Si, avec un peu de malchance, parce que j'ai perdu le championnat à 2 points. Ah oui, effectivement. La voiture nous a trahis. La boîte de vitesse qui a cassé. Et alors, en 2008... J'étais champion de l'Ouest. Donc champion de l'Ouest, mais vous participez au championnat de France aussi. Oui. Alors, les 2 points qui vous manquaient, c'était pour le championnat de France? Non, de l'Ouest. De l'Ouest. Oui. Et donc, vous partez favori cette saison? Non. Non, pas trop? Non. On verra ça à la fin de la saison. Oui. Comment... Et vous vous sentez comment lors de cette première épreuve d'aujourd'hui? Bien. Bien, bien. Bien. Toute la famille est là? Oui. Et parce que vous êtes cousin, un jeune pilote de Brignac. Vous aussi, vous êtes de Brignac. Hein. Oui. Expatrié très très loin à Moran. Hein. À Moran, voilà. Et... donc votre cousin, c'est Vincent Morol. Oui. Et Vincent nous a déjà beaucoup parlé de vous. Oui. Sa patience est grâce à vous. Oui. Voilà, c'est ça. Et le frère de Vincent, c'est pareil. C'est Sylvain. Alors, la suite, il y a la famille qui va les enfants. Vous avez des enfants. Oui. C'est pareil, ils vont suivre. Bah, ils viennent tout le temps. Hein, Alors, on a des années devant nous, des autocross assurés à Moran.